c'est mon monde. J'en ai jamais connu d'autre. Il est pas mal, hein? Il est encore là parce que je l'ai sauvé. Enfin, avec l'aide de Nak. Nak, c'est mon... Je devrais peut-être reprendre depuis le début. Je m'appelle Lucas. Et ici, c'est chez moi. Un endroit magnifique, rempli de reliques mystérieuses. On raconte que ce sont les vestiges d'une civilisation disparue. Elles sont très importantes parce qu'elles nous fournissent notre énergie. Un de mes amis, le docteur, a consacré toute sa vie à les étudier, pour comprendre leurs secrets. Un beau jour, il a découvert comment les relier, pour leur donner vie, pour créer Nak. Et Nak, il sait tout faire. C'est grâce à lui qu'on a pu sauver le monde. L'Oasis, notre capitale, a connu une longue période de prospérité. Mais aujourd'hui, elle est attaquée. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Baisse-toi! On va tout arranger, Lucas. Et genre maintenant. La ville est attaquée par des forces non-identifiées. La ville est attaquée par des forces non-identifiées. Thank you.
Bien le bonjour.
Thank you.
C'est bien ici, Lucas ? Oui, un peu plus loin. Ok, on descend. Accrochez-vous. Tu t'en sors, Nak ? T'avais envie de changer de nos randonnées de d'habitude, c'est ça ? Oui. Je t'en dis pas plus, c'est une surprise. Oh, je vois, je sens que je vais pas être déçu. Allez, Nak, magne-toi un peu. Ça me fait plaisir de passer du temps avec mon neveu préféré. Ton seul neveu, tu veux dire ? Oui, aussi. Allez, Nak. Et voilà. On va pouvoir commencer. Bon air et de l'exercice. Que demander de plus ? Ça va. Cool. Bonjour, belle journée, hein? Agréable. Oui, la journée parfaite. Elles servent à quoi toutes ces roues hydrauliques ? Elles produisent de l'hydroélectricité. Ces roues permettent d'alimenter toute la zone. Thank you.
Tu es vraiment venu ici tout seul? Ben, moi aussi, je suis un aventurier. Reculez, tous les deux. Ça pullule de gobelins par ici. Sans blague. Dès qu'on met un pied hors de la ville, c'est l'invasion.
Le docteur n'est pas là. Il avait dit qu'il viendrait. Il a eu un imprévu. Et il n'a rien dit de plus. Le docteur avait pas envie de se fatiguer, à mon avis. C'est sûr même. En route pour la forêt infestée de gobelins. Ah, c'est le rêve pour un grand explorateur comme moi. Bon, allez, je vous suis. Lucas, Ryder, vous voyez ces cristaux bleus? Attention les yeux. Classe! Si on tombe sur des gobelins, Lucas, je te les laisse. Ouais, comme ça, Nak pourra s'amuser. Thank you.
par ici, Nak. Là-bas. T'es perdu? Je dirais que ça date des hauts gobelins. Les hauts gobelins? C'est pas les mêmes que les gobelins qu'on connaît? Pas du tout. Ils ont disparu il y a longtemps. Ce portail a dû être construit pour repousser les intrus. Ah ouais? Curieux. Non, c'est courant dans ce genre de ruines, en fait. Oh, ouais, je savais. N'aie peur que d'une chose. Les abeilles. Ah ouais?
minutes seulement. J'ai sûrement tombé d'en haut. Comment on va passer? Bien joué, Nak. Toi le patron, Nak. Fais ça, Nak. Quelle puissance! T'es vraiment jamais venu avant? C'est fou, hein? Mais non, jamais. Aller plus loin sans ouvrir le portail. À toi de jouer, Nak. C'est parti. Mmh.
Je suis bien content qu'on soit sorti de la forêt. Des pyramides gobelins. C'est ça que tu voulais me montrer? Oui, en partie. Allez, viens. Bon, eh ben, c'est parti.